C'est parti pour un petit live surprise. On va continuer sur la carrière. Bonjour tout le monde. Le mapping pour aujourd'hui est fini. On va s'amuser un peu. On en est là. On va finir la ramasse du sang, puis après, on va attaquer. Et après, on va s'amuser à ramasser les bottes de pain. Les bottes. On va bien rigoler encore. Vu mon super niveau pour ramasser à la main, on va rigoler. Je crois que j'ai encore perdu mes touches. Mais... ah ouais. J'ai encore perdu des touches, comme d'hab. On les remettra plus tard. Hein. Ah, peut-être pas leur penser à la laver la machine, hein. Ça commence à vraiment être pourri. Logiquement, la musique est pas trop forte, ça devrait être bon. Parti, on va refaire les touches comme d'habitude. Ça devient chiant. Ça devient lassant à la fin de refaire les touches à chaque fois que tu commences à jouer. Qu'est-ce que tu fais? Des touches. Hop, et l'autre. Ah, l'autre, je l'ai pas mis ici. Hop. Voilà. Avec un peu de chance, j'aurais plus besoin. Ce sera fini, je reviendrai plus dessus. Ce qui m'étonnerait fortement. Hop. Oh bah ça remarche. C'est cool. Ça fait du bien de rejouer un peu. Ça change du mapping. Salut 120, tu vas bien? Tu passes une bonne journée? Ouais, moi cool, j'en ai de repos, j'ai avancé sur le mapping un peu, puis là je me détends une petite heure tranquille à jouer, j'avais envie de jouer sur la map, ça fait un petit moment que j'ai pas joué.
Donc ça va faire du bien un peu. On va finir ce petit champ, on a bientôt fini. Et après, on commencera à ramasser les bottes de paille, on va rigoler. Vu le niveau que j'ai, on va rigoler. Moi, ouais, le mapping s'est pas trop mal passé, ça va. Même avec la mise à jour, ça m'a fait bugger quelques barrières. Quelques barrières qui sont mises bizarrement. Faut toujours recommencer les barrières, mais c'est pas très grave. C'est moins que d'habitude. Pour le moment, j'ai pas tout regardé. Il va vraiment falloir que je pense à la laver, la machine. Parce qu'elle commence à vraiment être très grave. J'aurais dû faire un live plus tôt dans l'après-midi, mais bon. J'ai fini ce que j'ai le concessionnaire sur la map, je voulais le finir. Et puis bon, il y a 2-3 trucs qui marchent, qui vont pas bien, donc je dis hop, on change les idées. J'aurais pas mal d'avoine à vendre quand même. La remorque elle est presque pleine. J'ai déjà 20 000 à peu près. Et le tarif est en train de monter 820. Bon, on va attendre un tout petit peu que ça monte. Et puis on essaiera de vendre. On va commencer à gagner un peu d'argent. Bon, ça va, je suis pas déçu par cette map. Pour le moment, j'aime bien la map. Ouais, c'est bon, c'est bientôt fini, cool.
Il faut pas être pressé avec la machine, hein. Tranquille, hein. J'ai vu qu'il y avait une map qui était sortie, que si tu moissonnais trop vite, tu perdais 60% de ta récolte. C'est pas bon pour moi, ça. Coucou Monsieur Fred, Monsieur Fred va bien? Bon, tu as vu que vers l'étang j'ai commencé à poser un hamac pour les siestes? J'ai pas, pour le moment, tu peux pas faire la sieste, j'ai pas encore mis les poteaux, donc le hamac il est juste en l'air, il n'y a pas les poteaux sur le côté. Faut que je vais juste pique comme ça, c'est tout. Voilà, autrement j'ai presque fini tout le concessionnaire et le petit magasin de pièces détachées, Il me reste deux trucs que j'ai pas trouvé, deux trois trucs que j'ai pas trouvé, mais je l'ai presque fini. Je mettrai les portes en service et puis on verra bien. Ah. J'ai posé les barrières sur tout le tour, donc je l'ai fermé complet. Bon, il y a 2-3 barrières qui sont un peu mal posées, mais j'arrive pas à faire mieux. Donc, pour le moment, ça restera comme ça. Je suis venu jouer un peu, j'en avais marre. Tu vas dire à ta femme qu'elle arrête de mettre de la bouffe et tout, hein, ça donne faim à la fin. C'est plus possible à bouffer.
Ouais, j'ai mis la photo des barrières qui ont bugué avec la mise à jour, mais bon, c'est pas grave, hein. Je les referai, c'est pas. Puis je les changerai peut-être, j'ai trouvé d'autres barrières plus jolies, c'est pas très grave. Bon, aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux, ça a l'air de moins bugger, je sais pas. Ça a l'air de moins ramer. Alors, je sais pas, est-ce que j'avais une mise à jour quelque part que je n'ai pas vue, je sais pas. Mais les chutes de FPS, il y en a un peu moins aujourd'hui, alors je sais pas pourquoi. Cool, j'ai fini le champ. Yes. Je sais même pas s'il me reste encore de la place là-bas. Bon, ben voilà, pour le moment les moissons, c'est fini. 15h48 au mois d'août, je suis encore pas dégoûté de la map. C'est un événement. Hein. Bon, bah, on en a un peu de stock. On va attendre que ça finisse de monter et on vendra après. Il va quand même vraiment falloir que je pense à la laver, la machine. Parce que là, à ce niveau-là, c'est plus pro... c'est même plus sale. Quoique le matos, je vais le mettre comme ça, le matos. Ah ouais. Elle est pourrie, on voit à peine je ne dire marqué. Non mais là j'ai abusé là. Bon, on va attaquer pour ramasser les bottes. On va se faire une remorque de bottes de foin, puis après on ira acheter les vaches, parce qu'il va peut-être falloir vite faire le fumier si on veut de l'engrais, sinon je n'aurai pas d'engrais. Je vais dans la merde. Bon, est-ce que je me fais du ATS ce soir? Putain, j'ai visé comme il faut. Ah, il tombe trop ce machin. Comme d'habitude, je laisse ma merde au milieu, moi, c'est comme d'habitude. Ça va pas changer, ça. Hein. Ah, s'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi je peux pas vider la paille dans les bunkers, d'habitude on pouvait avant. Et ça faisait de la paille hachée direct, et là je peux pas, ça veut pas. Ah bah non, ça veut pas, hein, toujours pas. Hein. Je vais où? Ah oui, là. On va stocker un peu de la paille, on sait jamais. Après, je sais pas si je vais me servir de l'usine que j'ai pour faire du fumier, pour avoir l'engrais et tout, je sais pas. Et après, il faut que je choisisse l'enclos pour les moutons. Est-ce que j'ai toujours... Ouais, paille et ça fait du fumier, ouais, on verra.
Et hop, on va poser cette remorque là. Bon, la ferme, ça lague toujours un peu, ça. Toutes les fermes, c'est comme ça. Ben, j'avais préparé le plateau pour ramasser les bottes, j'avais mis au milieu. Oh, tiens, c'est bizarre. On va poser ça. On va prendre l'engin de torture. Ok, bon bah bonne soirée, amuse-toi bien pour ton super projet. Et puis si t'es en live, je passerai faire un petit coucou vite fait. Ça c'est fait. On va aller laver la machine et après direction on ramasse. Et après il va falloir que je comprenne comment on marche, ça marche pour ramasser les olives. Oui c'est vrai que mon silo il est là. Mais... Après, je sais pas si je ramasse cette paille-là et je la vends ou je sais pas. Bonjour Madame Fred. Je n'avais pas vu. Alors, on veut faire des steaks hachés ici. Je te rappelle, je suis célibataire. Alors, si on pouvait éviter de mettre de la bouffe en permanence sur les Discords, ça serait bien. Hein, je rappelle que moi, je mange pas normalement. Je suis au régime, moi, madame. Possible, ça. Normalement, il n'y en a plus. J'aurais même pas, mais normalement, il n'y a plus de voiture et ça s'arrête. Mais il n'a encore pas fini de vider. Ah bah c'est bon, j'ai un petit stock d'avoine. On va pouvoir vendre tout ça quand ça sera au meilleur prix. On va ranger un peu le matos. Elle est mauvaise, mais c'est pas possible d'être aussi mauvaise que ça. Oh, le mec bien, il range le matos. Un événement. C'est nouveau ça, je range le matos, moi.
Salut Fayakor, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Bon, allez, on va laver ça et après on fait les bottes. Qu'on rigole 5 minutes à les ramasser, je sens que ça va partir de partout. Ça va être une catastrophe de les ramasser, ces machins. Bon, le prochain live serait peut-être le mapping un peu de la map pour faire voir où elle en est. Pour faire voir où j'ai avancé. Pour faire voir où Monsieur Fred va aller faire sa sieste. Et Madame Fred. Salut Sophia! Ah, je savais pas que c'était toi. Hein. Je sais plus où j'ai mis ma remorque, la remorque pour. Pour ça, bon, j'en sais rien. Allez, c'est bien rangé, hein, pour ne pas abuser quand même. Allez, c'est parti. Waouh, ça fait super longtemps que je me suis pas amusé à ça, moi. En espérant que ce soit pas toujours aussi buggé qu'avant. Je savais que j'allais m'amuser encore. Quelle idée j'ai eue de faire ça en manuellement. Mais quelle idée j'ai eue de faire ça en manuel. T'as mes idées disjonctées, faut que j'arrête. Hein. En compte, le mapping, c'est peut-être plus facile. Allez, c'est parti, ça va commencer à partir en cacahuète. Ah mais pour le moment fais pas la sieste dans le hamac hein, parce que j'ai pas mis les poteaux sur les côtés, je les ai pas fabriqués encore. Il y a juste les cordes de chaque côté, je sais pas si comment où je veux le mettre exactement. Je le mettrai à l'ombre mais je sais pas où. Et ben voilà. Hein. Je savais qu'elle restait pas longtemps sur le. Mais quelle idée de déjoncter j'ai eu encore, tiens. Là, je dois être trop haut. Ah putain, faut que j'enlève ça. Ma caméra qui part de temps en temps, elle part n'importe où, on sait pas pourquoi, mais elle s'en va. Mais elle, on sait pas. Je touche rien, mais la caméra part.
Bon, va quand même falloir que j'accélère un peu, sinon on en a plus, j'en ai pour la nuit entière, moi demain je travaille. Hein. Et on se moque pas, s'il vous plaît, hein. Merci. Eh ben, elle va pas être parfaite la remorque, mais bon. Perfect. Elle a la possibilité de autoload, mais je l'ai pas pris. Ah oui, je vais bien m'amuser. Bon, j'ai décidé de faire le con un peu. J'ai pas l'habitude de jouer comme ça et en règle générale, j'arrive pas à passer plus d'une journée. En général, je passe le mois d'août et après j'arrête la map. Alors. Donc là, je cherche une solution pour essayer de m'amuser un peu et essayer de voir la neige. J'ai encore pas vu la neige. Le seul moment où j'ai vu la neige sur une map, c'est sur la map que je suis en train de faire et que j'ai fait des tests pour voir comment ça avançait dans le temps. Voilà. Et j'ai pu voir la neige comme ça. Sinon, j'ai pas vu la neige encore. Ouais, puis ça change d'habitude, un peu toujours en autoload. J'essaye de jouer différemment que ce que je joue sur le 19, que ce que je jouais sur le 19 avant. Je vais bien essayer de mettre en vue, mais ça me change la vue de temps en temps et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça, je sais parce que j'ai fait. Ah merde. Je sais, j'ai. Eh ben voilà, hein. Il s'est bloqué dedans, non, mais je savais que j'allais galérer. Ah non, mais je l'ai pris, d'accord. Ouais, et ben c'est pas gagné, hein. Je crois que j'ai la super force, je vais me servir dessus. Oh, c'est pas gagné. Bon, ça va, j'ai des croque-monsieur qui sont tout prêts. Je mangerai ça. Pourquoi il passe pas à côté? Sérieux. Allez hop. Non, mais j'ai une bonne idée quand même. Non, non, c'est une très bonne idée de jouer comme ça. Ah bah. Je sens que quand je vais passer le dernier, ça va tout tomber. Il y en a déjà un qui est parti en vrille là. Moi, l'avantage, c'est que ça fait super longtemps que je n'avais pas fait ça. Après, ça se voit. Hein. Oui, le café est prêt. T'inquiète pas, j'ai le café. J'ai mangé une petite glace pour me mettre en forme avant parce que. Pouf! Laisse tomber. Après, la map, j'aime bien donc. Peu de gens jouent dessus, donc c'est voilà. Quand j'ai commencé à jouer dessus, elle n'était pas sortie encore, donc voilà. Mais personne fait de vidéo dessus, rien du tout. Donc, bon. La chance de tout le monde est sur la Hofbermann là. Ce qui est bête, c'est qu'on voit jamais rien pour charger comme ça, c'est difficile de passer. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais enlever la vue arrière. Coup d'œil latéral. Ouais, Non, voilà, c'est ça. Et comme ça, quand je recule, je vais plus la marche arrière. On va peut-être y arriver un peu mieux. C'est pas gagné, mais. Dire que c'est pas.
Ça déborde presque pas. Et il y a encore toutes les bottes de paille qui sont de l'autre côté. Hein. Bon, après, c'est l'avantage, c'est que j'en aurais plus besoin. J'aurais tout, logiquement. On va faire comme ça. Hein. On les mettra peut-être d'aplomb. Hop, voilà. Ben si, je commence à y arriver, c'est bon. C'est pas parfait, mais bon. Tant que je m'amuse, c'est le principal. Ça fait longtemps que je me suis pas amusé sur Farming. Et pas que la version du 22 est pourrie, hein. Moi j'aime bien la version du 22 avec toutes les nouveautés, j'adore. Mais je sais pas pourquoi j'accroche pas. Je sais franchement pas pourquoi j'accroche pas. Allez hop, on va rapprocher un peu du bas. On va la descendre. Bon, je suis pas un professionnel, mais c'est pas trop trop mal encore. Si, si, je crois que j'ai fait le con. Je sais pas comment. Ah, si, c'est bon, ça va y arriver. Ça m'aurait bien étonné. Bon, laisse tomber. Désolé, on va la mettre à la main hein, parce que là. Elle veut pas. Non, j'ai pas joué FS17, j'ai commencé que sur le FS19. J'ai joué que sur le FS19, alors moi. Tout le monde me dit qu'il était bien le FS17, je sais pas, je peux pas vous dire là-dessus, moi. J'ai aucune expérience, j'ai une expérience que sur le 19. Pourquoi sur le 17 fallait faire beaucoup de bottes de paille? Pourquoi c'est foutu de travers celle-là? Il y a des moments où ils font des trucs et. Oh, c'est pas tombé! Ouais. C'est pas encore tombé. Ça va pas tarder. Ah non, non, j'ai commencé que sur le 19, moi. Voilà. Bon, là, on me dit que le 17 était bien. Mais bon, moi. Là-dessus, je peux rien dire. Ah, faut appeler, je descends de mes courses un peu plus bas quand même.
On va se les reprendre comme il faut. Pourquoi ça me descend ma caméra à chaque fois? Je touche pas la caméra, ça me la descend. Non, ça devrait pas être trop mal. Ouais, c'est bon. Oh, ça doit être plus légère celle-là. Ah non, pareil. Ah oui, c'est vrai que c'est pas encore l'ensilage. C'est vrai que sur le 22, ça passe pas tout de suite en ensilage. Eh ben voilà, c'était trop beau que ça. Pourquoi elles sont pas restées? Il y a des moments, elles s'en vont tout de suite, elles s'en vont bien. Et il y a des moments, elles veulent pas. Eh ben ça commence à partir en cacahuète le chargement, hein. Vous le dites, moi. Je connaissais le résultat. On va se prendre celle-là. Ah non. C'est où elle descend? Oh putain. Ah y est, elle va me casser les pieds. Tu peux pas jouer comme il faut, c'est pas possible. Mais pourquoi ma... Putain, je veux monter mon truc, c'est ma caméra qui bouge. C'est quand même grave. Là, je crains le pire. Voilà, elle veut plus sortir. Oh bah c'est mieux de ce côté. Je suis meilleur de ce côté que de l'autre.
Là, elles sont bien mises. Bon, bah, on commence à y arriver un petit peu. Quoique, on va mettre une sangle ici, on sait jamais. Vu le boulet que je suis. Et après, il faut tout redécharger. Ouais, bah, c'est quand même pas trop mal. C'est pas parfait. Oh, le chargement pourri que je suis en train de faire. On va faire ce champ-là. Eh ben, c'est pas prêt de finir, hein? Et allez, vas-y! Oui, j'ai craqué. J'aurais peut-être dû les mettre droite, hein? Au lieu d'être couché comme ça. Il faut toujours qu'il y en ait une qui ne veut pas sortir, sérieux. Il faut toujours qu'il y en ait une pour faire chier le monde. Sérieux, il y en a toujours une pour faire chier le monde. Faire comme ça. Putain, mais arrête de monter la caméra, sérieux. On va essayer comme ça.
Ouais, et ben c'est pas le top, hein. Quelle catastrophe. Je le savais que ça allait être une catastrophe. Je le savais que c'était une très mauvaise idée. Mais bon, c'est pas grave. Et allez, vas-y, l'autre. La botte s'en va. Non, mais c'est nous. Putain. Bon, elle reste ou elle s'en va là? Bon, après, j'avoue que t'as pas une grande visibilité quand même, hein. Si c'est comme ça dans la vraie vie, ils doivent se faire chier les mecs pour charger. Et donc quoi? Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Ça pourrait être mieux, mais bon. Allez, on va rapprocher la remorque. Ah, ça y est, on peut plus monter dedans. Putain, mais c'est vraiment une catastrophe farming. Hein. Ah oui, la dernière, elle est bien, elle est posée comme une merde. On est incapable de me retourner comme ça. Quand j'ai fini le champ, je pense que je vais m'arrêter là, vu la catastrophe que c'est. Oh. Oh la catastrophe. Ça doit pas être pour moi chargé en manuel. Pourtant j'aime bien faire ça, c'est marrant. Le chargement est moins marrant, mais. J'aurais peut-être dû prendre qu'un pic pour en charger une part. Ouais, quoique, peut-être pas pouvoir monter bien plus haut. Là, on peut pas monter plus haut. Bon, et bah allez hop, on va ranger tout ça. On va prendre une photo pour le premier chargement. Mon premier chargement. Ah ben on voit que c'est chargé à la main. Hein. Merde, pas encore on repart ici.
Bon, je crois que je vais aller acheter des vaches. Ça me changera un peu. On a ce qu'il faut, j'ai le foin. Je crois que le foin, c'est que 80% pour les vaches. Mais c'est pas grave, j'aurai le lisier, j'ai la paille, le foin. J'ai tout ce qu'il faut. Oh, le chargement pourri que j'ai fait. Oh, mort de rien, le chargement. Ah, il y a du haut niveau, il y a du haut niveau dans le chargement. On va aller ranger ça. J'ai même pas regardé si je pouvais passer avec le tracteur. Et je peux ranger au moins quelque chose ici ou pas? Pourquoi il a mis une échelle ici, lui? Je pense qu'il est poteau fond. Hein. Ah ouais. Je crois que je vais acheter un télescope hein, parce que là. Ah, c'était peut-être pas fait pour ranger les bottes de les bottes. Bon, allez, pour changer les idées, on va aller s'acheter nos vaches. Ça va me changer un peu parce que vu le mauvais que je suis. Bon, on prend celui-là. J'ai la machine pour. J'ai la bétailleur pour acheter les vaches. Ah, je sais pas si je l'avais acheté. Si, je crois que je l'avais acheté. Ah non, c'est pas là-dedans. Ah, je croyais que je l'avais. Ah, si. Ah, si, elle est là. J'ai la remorque pour l'eau qui est marrante. J'ai tout ce qu'il faut, normalement. Bon, faut qu'on regarde où on achète des vaches. Allez hop, on va aller acheter les vaches. Ça va me changer. Et on achète tous les vaches ici. Animal dealer. Oh, c'est peut-être là. Ah, c'est là. Oh, ça va, cool, c'est pas très loin. Ouais, cool, c'est pas très loin en plus. Je sais plus par où on sort. Si on peut sortir par là. Pas quoi que mieux. Allez, on va acheter les vaches. Donc là, quand je passerai la nuit, au moins ça commencera déjà à... Oh putain, j'ai pu me prendre la voiture. Ça commencera. Et j'ai encore toutes ces bottes de paille à ramasser. Ouais, cool. Et après, il faut que je fasse le labour pour récupérer les pierres et commencer à fabriquer la chaux. Vu que j'ai décidé de rien acheter pour essayer de tout fabriquer moi-même, on va voir si on y arrive. J'ai déjà commencé à fabriquer de la semence. On a quoi en semence déjà? Hop, blé. Semence, on a 5000 de semences. On se met. Et je peux semer aujourd'hui ou demain du colza. Donc c'est bon. On va commencer par le colza. Bon, bah, je crois que j'ai pas pris le bon tracteur comme d'habitude. Hein. C'est celui qui va le plus vite.
Il y a plein de bâtiments, mais je sais pas à quoi ça correspond. Je sais qu'il faut les acheter pour savoir ce que c'est. J'ai vu que je crois qu'il y avait une ferme un peu plus loin, mais... Bon, il y a un truc dans le coin, là. Donc t'as un truc à... Ah, c'est peut-être pour les chevaux, pour les vaches, je sais pas. Là, c'est pour vendre la paille. Et là, je crois pas que ce soit une ferme. Là. Ah si, quoi que, bah, c'est une petite ferme pour commencer. Toi, elle est bien. Hein. C'est une ferme pour commencer, là. Ah ouais, c'est peut-être une ferme pour commencer. Ah! Et bah hop, on achète les animaux, puis après on arrêtera tranquille. Voilà, bon. Allez, au moins pour 5 minutes, t'en arrives au négociant, acheter les vaches. Je sais même pas quelle vache faut prendre. Ah si, je prends les blanches et noires, elles sont jolies. Je sais pas si elles sont rentables, mais elles sont jolies. Je sais pas s'il a mis des objets de collection. Enfin, je passe le tour des baraques pour voir si on peut y récupérer un peu d'argent. Sa déco est simple, mais ça va. Ah, je crois que je fais un truc qui s'appelle bouchon. Il est vraiment pourri ce tracteur. Là, on va avoir des usines de coin, je sais pas, j'ai pas regardé. Yes, on est bientôt arrivé. Youhou. Ah, c'est là pour acheter les animaux, peut-être. Ah ouais, bah c'est là où j'ai... Ok, ouais. Je pense qu'il y a un bug. Elle fout quoi, la vache, dehors? Elle fait quoi, la vache, dehors? Il y a un bug, là. Je vais rien dire, je vais pas critiquer parce qu'il faut que j'installe les animaux sur la map et bon, c'est pas gagné encore. Oh, c'est cool, il a mis du son et tout, marrant ça. Déployer remorque. Alors, ah oui, j'ai dit les Olsen parce que j'ai trouvé joli. Les élevages laitiers produits du lait, les vaches aiment l'herbe. C'est quoi la différence? Ah, 18 mois. Ça... Ah, c'est juste une histoire de se reproduire. Bon, non. Bon, on va prendre celle-là. Celle-là, quand tu les prends comme ça, elle prend rien. Je vais les prendre comme ça, puis je vais en prendre une dizaine. Bon, pas bah 8, hein, il y a que 8 qui rentre dans le truc.
Et les limousines, c'est quoi la différence? J'ai pas regardé. Ah, d'accord. Elles font pas de lait, elles sont juste bonnes pour la bouffe. Et allez, c'est parti avec nos vaches. Youhou! Pas la gueule. Bon bah on fera un voyage déjà de 8 vaches, hein, c'est déjà bien. J'ai le temps de faire l'aller-retour, il y en a pour 3 jours. Puis peut-être je reprendrai ce soir. On me donne. J'ai bien envie de jouer sur cette map. Salut ma chérie, ça va ma crevette des îles? Comment t'as fait pour savoir que j'étais en train de faire une vidéo, moi? Non, elles font pas le mur, regarde. Ouais, elle a fait le mur, la vache, ouais, t'as pas tort. Ouais. Non, mais ça montre. Regarde, elles sont jolies, mes vaches. Jolies, hein. Elles font pas la gueule, hein. C'est juste pour faire du lait, c'est pas pour les manger. Voilà. Ça va, mes petites crevettes, t'as passé une bonne journée? Oh bah, ma chaîne de base, tu sais que c'est facile à trouver, hein. J'espère que vous êtes abonné, madame, hein. C'est sinon je te tape. Je te fais plus conduire, c'est fini. Oh, tu vois, il n'y a pas grand monde hein, sur ma chaîne. Hein. Tu sais, c'est tranquille, moi. Non, ça fait... je crois que j'ai commencé à 18h... à 18h à peu près. Ça fait pas très très longtemps, là, je vais... J'ai fait des croque-monsieur à midi, il m'en reste deux, je vais les manger tout à l'heure, je vais les manger là. Avant de reprendre ma nouvelle tournée demain, je suis enchanté. Quelle joie. C'est bête, t'as loupé mon chargement de bottes de paille. Hein. C'était de bottes de poing, c'était très marrant. J'y arrivais pas. Bon, tu vas me dire, j'ai pris vraiment le tracteur le plus pourri de la planète. Je fais un vrai bouchon. Il y a une personne, je crois. Ouais, il y a une personne. C'est moi, vu que pour regarder les messages, je regarde sur mon téléphone. Et tu as une personne, c'est tout, et y a toi. T'inquiète, il n'y a pas grand monde. Je crois que le maximum que j'ai dû monter, c'était 5 personnes. Après, je mets les vidéos sur YouTube et sur Twitch qui reste. Donc il y a des gens qui regardent de temps en temps, ça fait quelques vues. Mais bon, voilà, tranquille. Ah bah je me doute bien, ça fait pas longtemps que je le fais, je me doute bien que j'allais pas monter à 300 personnes d'un seul coup. Oui, c'est le début, puis c'est pas très grave, moi, tu sais. Je fais ça juste pour m'amuser, ça va pas plus loin que m'amuser. Hein. Bon, je fais que ça pour m'amuser. Hein. Après, je fais le mapping, c'est pas... J'ai bien avancé sur la map.
Je le ferai en live, comme ça tu pourras la voir, vu que la dernière fois que tu as vu, on n'a pas pensé à le regarder. J'ai fait un petit étang sympa. Je sais même pas où faut décharger les animaux. J'ai fait un petit étang sympa et là je suis en train d'installer le hamac. Ah, c'est ici. Allez les meumeux. Alors normalement là je peux décharger. Je joue plus moi, c'est affolant. Dépasser dans l'élevage. Ok. Hop. Alors on va regarder celles-ci. Je connais pas leur chemin, donc je sais pas ce qu'elles font. Ah bah si, elles y sont. Il va falloir que je donne à la bouffer, sinon elles vont crever. Non, j'ai fini la première fontaine. J'ai fini juste la première fontaine, mais je pourrais te faire voir, t'inquiète. J'ai fini l'étang, j'ai mis des petits cailloux partout. Je me suis tapé un petit délire vers le côté des vignes et je viens de finir le concessionnaire avec plein de déco, j'ai presque fini. Donc je suis bien content de moi, j'ai presque fini le concessionnaire. Voilà, voilà mon super chargement. Et on se moque pas. Bref, on va nourrir les animaux. On va juste mettre deux bottes de foin. Ça, j'ai fait un petit match de FIFA avec ton frère la dernière fois. Alors, je sais pas si je peux distribuer comme ça ou s'il faut que j'y mette en vrac. Ah si, c'est bon. Alors, ça donne quoi les animaux? Ah ouais, point 13, je suis toujours dans le rouge. Non, je vais pas te tuer tout de suite, je viens d'arriver. Ah mais il travaille ce soir, Matou? Bisous crevettes, et fais un bisou à Matou. Et bon courage pour le travail ce soir. Et merci d'être passé, c'est gentil ma chérie. Ah bah oui, c'est toi. Le truc affolant de farming, on ne donne pas d'eau aux animaux, mais à part ça tout va bien. Bisous.
Je vais aller chercher mes deux pottes de paille. On va aller chercher les deux bottes de paille et après on va s'arrêter là. Et on reprendra peut-être ce soir. Ou peut-être demain soir, je sais pas. C'est quoi pour... Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Marche comment cette chose? C'est là qu'on tombe. Alors comment ça marche ce truc? Ok, ça c'est pour l'ouvrir. Et on peut en mettre deux là-dedans? Oh. On va les charger de par lui, je crois. J'ai pas encore gagné l'histoire que j'y arrive. Pas pratique en machin. J'ai peut-être pas pris la bonne. Et tu l'as mis où la deuxième? S'il marque deux bottes de paille, mais tu l'as mis où la deuxième? Ah mais non, tu en mets qu'une. On va essayer, mais... Et pas sûr que ça marche, cette histoire. Encore faire une connerie. Ah oui, peut-être. Ah oui, d'accord, ok. Ça fait ça, et après tu peux distribuer. Ok. Ok. C'est un peu bizarre, mais bon. Allez. On essaie de pas les perdre. On va pas lui passer devant lui parce qu'il va me renverser. Tu vois, les bottes de paille vont partir de partout, comme d'habitude. Alors, c'est où qu'on met la paille ici? Là, c'est pour ramasser.
Alors là, je ne sais pas où faut y mettre, hein. Ah si, c'est là. Ok. Ah oui, ça commence à remplir. Okay. Dis, mais il va en falloir 3 tonnes là. Ah non, sont où mes... Oh. 26. Eh ben dis donc. Et la paille est dans le rouge, ok. Bon. Alors, on aura 80% avec le foin, mais ça sera que demain d'ailleurs. Hein. Pas gagné hein, l'histoire. Hein. Le doué de service, c'est pas gagné. Hein. De plus, ça devrait être pour faire ça. Ouais. Deux bottes de paille de plus. Et hop, et après c'est bon. Ah oui, j'ai encore pris ça n'importe comment. Hop, je renonce. Je sais pas si ça va la prendre. J'ai pas gagné l'histoire. Oh le boulet. C'est pas bon d'essayer de jouer comme il faut. Ah si, c'est bon ça. Est-ce que ça la met pas? Moi. Ouais. Ça monte un peu ou quoi?
Elle est toujours pas assez. Oh. T'as mis un paquet. Oh. Baissez d'un ton les vaches, hein. Je m'occupe de votre corps. Vous ne servir que pour le lait, vous allez servir pour la nourriture aussi. Alors baissez d'un ton. Non mais où? Ça se rebelle en plus. Bon, alors, 2 ans pour donner à nourrir, à manger aux animaux. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je mette l'enclos des vaches. Attends, faut que je garde de l'argent, faut que je mette l'enclos pour les moutons, c'est vrai, faut que je choisisse encore. On va essayer de voir si je peux me lever un petit peu. Si je mets les bottes de foin là-dedans, si ça marche. Ah, mais je deviendrais presque un professionnel. Hein. Waouh, je deviens presque un professionnel. Il n'y a plus qu'à attendre que ça passe l'ensilage et on pourra faire de la raison. Je vais la virer cette échelle. Pas possible ça. Pas si je peux donner à manger avec quoique c'est pas très réaliste. Bon, mais il y a intérêt que je fasse un paquet de bottes parce que ça se nourrit beaucoup ces machins et j'en ai mis 8, je vais en mettre le double. Et voilà les goinfres. On est... Oh là là. Putain, je crois que j'en suis à 6 bottes et j'ai donné que 40 000.
Ah ouais, quand même. Bon, un seul point positif, lisier. Ah, mais j'ai pas de fumier? C'est quoi le délire? J'ai pas de fumier? Ils sont un immense épingle. Ah, mais elles vont jusqu'où? Ah, mais c'est immense! Putain, vous avez élevé lui, les vaches, hein. Sérieux, hein. Allez hop! Ah, putain, j'avais dit que c'était pas lourd. J'avais dit que je faisais pas long. Ok, là, ce sera pour récupérer le lait. Et ici, ce sera le lisier. Bon. Voilà. Et ben, la prochaine vidéo, on ira chercher. Le prochain live, on ira chercher la. Le reste des vaches, on mettra l'enclos des moutons. On n'achètera pas les moutons encore, mais on mettra l'enclos des moutons. Et puis, bah, après, on ramassera les bottes de paille. Ouais, et puis on avancera tranquille. Bon, bah, merci d'être venu tous. Passez une bonne soirée. Peut-être à tout à l'heure, je sais pas, on verra. Suivant le. Suivant si je suis, si je me motive ou pas. Je verrai où on continuera le live là-dessus, je sais pas, on verra. Ou autrement, j'en ferai un demain soir, vendredi soir, c'est sûr. Ce soir, je sais pas encore, on verra. Passez une bonne soirée, tout le monde, et peut-être à ce soir, ou alors à demain. Ciao!